Homer von Rippartz fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Rippartz, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mercredi 4 décembre, soyez les bienvenus dans votre journal, voici les titres. Connaissez-vous vraiment les métiers de l'industrie de notre secteur? Dans ce journal, nous vous proposerons de découvrir deux portraits. Puis nous nous mettrons dans l'ambiance des fêtes de Noël avec l'arrivée du sapin à Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur la grève générale qui est annoncée demain. Diverses manifestations sont prévues à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. À ce sujet, je vous propose d'écouter Benjamin Cabartier, secrétaire général de la CGT Cheminots de Saint-Dizier. Pour les cheminots, ça fait suite à l'appel national de la CGT, mais pas que, on est en intersyndical, interprofessionnel. On se mobilise contre la réforme des retraites qui est proposée par le gouvernement. On attend une convergence la plus large possible. Nous, dans nos interventions, à l'intérieur de la SNCF, en tout cas pour la CGT, on parle bien, on insiste bien sur le fait que c'est une interprofessionnelle et que tout le monde est concerné. Je pense, en tout cas j'espère qu'elle sera rejointe par le maximum de monde. Je vois des appels aussi du côté des Gilets jaunes, ce qui est une bonne chose parce que jusqu'à présent, on avait les syndicats qui faisaient leur grève, leur manifestation de leur côté, les Gilets jaunes du leur, ils ne voulaient pas s'y joindre parce que justement il y avait cette méfiance vis-à-vis des syndicats qui était comparée aux politiques. Et puis on s'aperçoit finalement dans le discours et dans les revendications, on se rejoint sur beaucoup de points et c'est plutôt bien qu'on décide d'y aller ensemble main dans la main, quoi. À Saint-Dizier, alors nous on a appelé à un rassemblement sur le site de Saint-Dizier, SNCF, où on sera rejoint par EDF. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que jusqu'à présent on était entre cheminots. À partir de là, il y a une tractation qui est prévue du côté du rond-point du Chêne Saint-Amand. Donc on s'y rendra autour de 9h en fait en cortège avec une opération escargot sur la 44. Pour rejoindre la tractation, et après la tractation, autour de midi ou 13h, on a prévu un pique-nique citoyen, donc pareil, où on invite tout le monde, hein, tous les étudiants, les chômeurs, les précaires, enfin bref, tous ceux qui ont à se plaindre, et à rejoindre cette mobilisation-là. À noter également que moins de 3% des TER circuleront demain dans les ex-régions Champagne-Ardenne et Lorraine. Selon nos informations, les bus des agglomérations de Vitry, Bar-le-Duc et Saint-Dizier devraient eux circuler normalement et des services minimums et d'accueil seront prévus dans les hôpitaux et les établissements scolaires. Pour connaître en détail les actions qui seront menées demain, rendez-vous sur puissancetelevision.fr. Et puis nous sommes partis en Meuse pour découvrir les métiers de l'industrie, un secteur qui recrute, exemple à Lignan-Barrois et à Ancerville, avec ce sujet réalisé par Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Certains secteurs industriels souffrent d'une mauvaise image alors que les offres d'emploi ne manquent pas. Bien loin d'être cliché, l'industrie française est un secteur dynamique qui emploie plus de 2,7 millions de salariés et compte plus de 235 000 entreprises industrielles en France. Avec les nouvelles technologies, l'industrie se modernise, de nouveaux métiers tournés vers l'innovation et les technologies numériques apparaissent, et avec eux, de nouvelles compétences, comme c'est le cas pour Jean Bernard, recruté depuis juillet à Lignan-Barrois à la suite d'un accompagnement de Pôle emploi. À partir de là, on a vu pour faire une formation, parce que j'ai fait une formation de 200 heures, qui était payée par Pôle emploi. Comme ça, j'ai pu m'intégrer un peu plus facilement sur la machine. Ils ont fait venir des formateurs qui m'ont appris la base de la machine, plus les professionnels de l'usine. C'est la base du traditionnel, c'est-à-dire avant c'était des machines où on travaillait manuellement. C'est-à-dire il y avait des avances, mais c'était X et Z, c'est-à-dire on y avait que ça. Maintenant, vous voyez, il y a plein d'outils. Et au départ, on mettait qu'un outil par outil, on faisait déjà une opération. Pour tirer l'outil, on faisait une autre opération. C'est la même base, c'est le même principe, c'est toujours pareil, sauf que maintenant les machines sont plus perfectionnées.
seront plus rapides et on peut mettre plus d'outils. Alors c'est-à-dire que c'est plus pratique, plus facile, on ne veut pas dire le mot facile parce que temps de programmer tout ça, c'est pas facile, mais c'est plus pratique. Quand on est dans l'idée, dans l'envie de trouver du travail, personnellement, je ne veux pas. Il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez à Pôle emploi puis que vous frappez, vous dites moi voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a eu un suivi derrière et ils ont vu que la personne était motivée pour reprendre du travail et essayer de trouver du travail qui était plus adapté à l'heure actuelle à mon âge et à ma situation de santé. À quelques kilomètres, c'est à Ancerville que Stéphane a lui aussi été embauché dans un métier industriel et c'est en tant qu'ébarbeur qu'il œuvre. Un métier qui demande une grande dextérité et un niveau de précision très important. Alors, ébarbeur, ça consiste à. On a les pièces qui arrivent de fonderie, il y a des moulures, il y a des bavures, et tout ça, il faut mettre tout à plat. Il faut tout nettoyer. J'ai commencé par une semaine de stage et au bout d'une semaine, il me dit Susanna, si vous voulez revenir, je vous embauche. Je dis par contre, moi je veux pas un CDI, je veux un CDD. Parce que je voulais pas retravailler aussitôt, quoi. Voilà, je savais pas si j'allais rester dans les barbages. Et puis en fait, j'ai refait deux jours de plus. M. Bertrand m'a dit je vous fais signer un CDI. J'ai dit super, génial, quoi. Nickel, quoi. Ça change la vie, hein, CDI. Hein. C'est, voilà, après, j'ai dit faut que je le tienne celui-là, faut pas que je le lâche. Faut que je le garde. Vous l'aurez compris, les profils recherchés dans le domaine de l'industrie sont variés, allant du CAP au bac plus 5, l'industrie recrute, les emplois restent nombreux. Et de nombreuses formations existent. Il ne manquait plus que lui pour que la magie de Noël souffle sur la ville de Saint-Dizier. Je parle évidemment du sapin installé sur la place de la mairie. Mais d'où vient-il et comment installe-t-on ce mastodonte ? Réponse avec ce sujet signé Nicolas Fontaine. Il a fait une arrivée remarquée, le traditionnel sapin de Noël de la ville de Saint-Dizier est arrivé peu avant 8h30 ce matin devant des passants toujours plus curieux. Il pèse plus de 4 tonnes et mesure 14 mètres de haut. Mais avant d'arriver devant vos yeux, ce sapin, un Abies alba pectiné, a traversé près de 50 km. Direction Demartin-le-Saint-Père en Haute-Marne, la veille de son installation, c'est là que sont sélectionnés les sapins chaque année depuis presque 10 ans. 7 agents techniques de la ville de Saint-Dizier sont à pied d'œuvre depuis l'aube. À ce moment-là, le sapin mesure encore plus de 26 mètres de haut, un conifère qui doit répondre à certains critères. Et on le sélectionne de façon à ce qu'il ne soit pas trop serré les uns des autres pour qu'on puisse avoir qu'il soit garni tout autour. L'endroit choisi n'est pas laissé au hasard. En effet, l'arbre doit se trouver en bordure de chemin. Une fois sélectionné, un long travail débute. Il va falloir le tronçonner à sa base, puis couper jusqu'à 13 mètres de tronc. Il faut qu'il nous reste en fait 15 mètres pour qu'il puisse être à 14 mètres hors sol. Mais après, il faut qu'on le mette au gabarit. Parce que sur la place de la mairie, il y a un fourreau dans lequel il va rentrer d'un mètre en terre. Et il faut qu'il fasse un diamètre de 40. Là, actuellement, il est beaucoup plus large. Il doit faire 65. Donc après, il faut qu'il soit travaillé de manière à ce qu'il ne rentre bien dans le gabarit. Il ne reste à présent plus qu'à le décorer. Et pour voir ce roi des forêts de 60 ans s'illuminer de mille feux, rendez-vous ce samedi à partir de 17h45 sur la place Aristide Briand pour la célébration de la Saint-Nicolas. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.